Nous avons cette année une actualité à Cannes avec Annecy Goes to Cannes. Nous allons présenter 4 longs métrages en production. C'est des longs métrages que nous avons eu, nous, il y a quelques années, en projet à Annecy. Donc il y aura un long métrage iranien, colombien, français et polonais. Alors cette année à Annecy, nous avons une très très belle programmation, que ce soit pour la compétition ou les avant-premières. La Tortue Rouge qui sera le film d'ouverture, Ma vie de courgette qui est également présent ici, Louise en hiver, le nouveau film de la Guillonie, de très belles avant-premières avec l'avant-première de Pets qui est le nouveau film d'Universal Illumination MacGuff, également l'avant-première avec Le Monde de Dory. Et puis des présentations exclusives de films comme par exemple Moana pour Disney. Nous accueillons pour la première fois au marché des nouvelles délégations comme le Paraguay, l'Équateur, le Pérou. Donc c'est vrai que l'Amérique du Sud est une zone très très dynamique pour l'animation. Bien sûr la zone Asie et puis on voit aussi en Afrique, notamment en Afrique du Sud, des productions arriver, des talents qui commencent à émerger. Et donc nous, on accompagne pendant le festival et le marché cet élan. On a d'ailleurs créé Animation du Monde, qui est un appel à projets spécifiques pour des territoires émergents en animation.